moment de vie à l'IMP IMPRO entre 1966 et 1990. Activités et loisirs. Le temps de faire le ramassage, le temps que les jeunes sont rentrés, c'était 9h du matin. Bon, 9h-10h, le temps de se mettre en route, la récré à 10h30, et puis de 10h30 à midi, on faisait encore un temps de travail, le repas. L'après-midi, après la sieste, donc c'était déjà pour beaucoup 3h, pour aller à 4h, il restait encore une petite heure. Si tu mets la récréation au milieu, à 4h, il fallait rhabiller tout le monde, les préparer pour que les parents viennent les chercher. En gros, ça devait faire 6 heures à l'établissement, si on calcule à peu près. Donc il y avait 4 heures de prise en main, et encore, c'est beaucoup dire. Entre chaque activité, il y avait des pauses. Et même au cours de l'activité, le temps de passer de l'un à l'autre, il y en a un qui regardait faire, l'autre qui apprenait. Donc tout le monde n'était pas pris. Et puis, il y avait des stades différents. Il y en avait certains qui commençaient un petit peu à lire, et puis il y en a d'autres, ils écoutaient parce qu'ils regardaient. On a eu des petits vélos, on a fait pas mal de choses quand même. Quand la piscine de Bonneville a ouvert, la caisse d'épargne nous a payé des entrées. Alors on en a profité et on a aussi été à la piscine. T'as fait du ski de fond, toi. T'as fait la course de ski de fond, tu te rappelles, au Saisy. Oui. On avait fait des skis, ce qu'on appelait les Olympiades. Oui, ouais, à un moment donné, ça marchait pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a encore fait comme balade? On a fait pas mal de choses quand même.